Shalom frères et sœurs, Israël était un jour en guerre avec la Syrie. Et les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin, sortit et aperçut l'armée syrienne qui entourait toute la ville. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Élisée le prophète lui dit en d'autres termes, « Ne crains rien, sois spirituel. » En ouvrant tes yeux spirituels, tu verras que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Un homme spirituel voit ce que les autres ne voient pas. En devenant spirituel, tu vois mieux la présence invisible et tu bafoues les circonstances visibles. Romains 8, 5 dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, vis selon l'esprit et sois spirituel. » La Bible dit, « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. » La seule manière de survivre dans cette génération, c'est d'être un homme spirituel. Mon frère, ma sœur, sois spirituel. Shalom. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Miracle Béni TV.